Raconte-nous comment t'as rencontré Walid. Ah, ça date, hein, ça date, ça date. Franchement, ça date. C'est une amitié, elle a plus de 10 ans. Comment j'ai rencontré Walid à la salle de sport. Vous allez rigoler. En fait, un jour, on était comme ça et tout, et moi je m'entraînais et en fait, on connaissait des gens en commun, tu vois. On connaissait des gens en commun, je dis Salem et tout, etc. Je dis Salem à Walid et tout. Et Hasso, de là, il y a une partie de vanne qui s'enchaîne, tu vois, pas entre moi et lui. Des mecs qui partent en vacances pour se reposer, profiter, se dépayser. C'est ce que je veux dire. Et t'as des mecs qui viennent à Marrakech pour tout enculer. C'est ce que je veux dire. Lui, son objectif, c'est ternir l'image de la ville. Tu vois? On vous a pas demandé de vous soumettre. On vous a juste demandé de respecter. C'est juste vous, tranquille. Tu viens, tu passes des bonnes vacances, respecte, tout tranquille, y a pas de souci. Pour la plupart, en plus, vous n'êtes pas chez vous. Juste, tu respectes. Vous dites, on a juste demandé ça. Eux, non, les gars. Tous ces fantasmes, ils veulent les réaliser ici. Faire des courses de buggy à 5 h du mat, torse nu. C'est quoi, les gars, ça? Voilà, c'est pas normal, les gars. Tu montes, tu descends, c'est pas normal. Pour ça, monsieur Amouchi, j'espère, les gars, il va sévir vite.